Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 1 du pass de combat de la saison 8. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter l'emplacement de l'étoile secrète de la semaine 1. Alors pour débloquer cette étoile secrète, il va falloir finir une semaine complète des défis hebdomadaires. Donc quand vous aurez fini, vous allez débloquer une image secrète du grand froid, donc des défis du grand froid. Quand vous avez débloqué cette image secrète, elle se mettra dans votre casier. Alors dans le casier, c'est ici et ce sera l'hashtag 1 de cette saison 7. Et dans cette image, donc je vais la mettre en chargement, en écran de chargement. Et dans cette image, il y a une étoile cachée, donc incrustée dans l'image, en écran de chargement. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Je lance en solo et je vais aller récupérer cette étoile secrète qui va me donner un palier complet. Donc regardez, dans défi conseiller, maintenant ils le mettent. Si vous n'avez pas l'écran de chargement, le défi conseiller ne s'affichera pas. Donc, trouvez l'étoile de combat cachée sur l'écran de chargement, hashtag 1. Si vous n'avez pas cet écran de chargement, comme je vous l'ai montré, comme vous allez l'avoir, vous n'aurez pas l'étoile secrète à cet emplacement. Ok, donc il faut absolument finir la semaine 1. Donc là, je zoome sur l'emplacement de l'étoile secrète. Vous pouvez apercevoir qu'elle est juste au-dessus du sous-marin, donc que je vais vous montrer juste après. Alors, l'emplacement de l'étoile secrète exact, elle se trouve juste ici, donc au sommet de cette montagne. Il y a un sous-marin qui est gelé, qui a échoué, et l'étoile secrète se trouve juste dessus. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ah oui, je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 parce qu'en fait j'utilise son compte pour faire cette vidéo car il a fini les défis avant moi. Donc une grosse dédicace à lui. Merci poto de m'avoir prêté ton compte et je mettrai sa chaîne en description. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Et merci à tous ceux qui iront soit à s'abonner, soit commenter, ou soit liker ces vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, merci à tous ceux qui le font. Donc j'ai ouvert mon parachute un peu trop tard, j'arriverai pas à atteindre le sous-marin. Donc vous pouvez le voir, il est au sommet de cette montagne. Donc je vais essayer d'aller prendre un avion et aller sur le sous-marin en avion. Hein. On va essayer de faire ça. Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, il y a deux avions qui se trouvent ici. Donc, hop, on va vite le prendre avant que quelqu'un arrive. Wesh, y a plus le sous-marin? What the fuck? Attends, y a plus le sous-marin. Ok, y a plus le sous-marin, donc il faut que je descende, que j'aille chercher des matériaux pour me créer une petite plateforme. Oh là là. Je suis en conducteur du dimanche, mon gars. Laisse tomber. Alors, on va essayer d'y atterrir calmement, tranquillement. Non! Putain, c'est chaud, en fait, hein. On va essayer d'y monter comme ça. Je sais pas si je vais avoir assez de matériaux. J'espère que oui. Ok, donc j'avais pas assez de matériaux pour aller chercher l'étoile. Donc je vais recommencer. J'ai été faire un petit peu de matos. Là, normalement, je devrais avoir assez. Est-ce qu'il va exploser l'avion? Non, il explose même pas. Trop stylé, ça. Alors, où est-ce qu'elle est, cette étoile secrète? Je la vois pas. Hein. Elle doit être plus haute. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Ok, donc imaginons que le bateau il est là, donc le sous-marin, donc il sera vers la queue du sous-marin, ok. Donc vous actionnez, enfin vous interagissez avec l'étoile, trouvez l'étoile de combat cachée, c'est fait. Et maintenant vous vous suicidez ou alors vous finissez la partie pour valider votre étoile. Sinon si vous me faites quitter, option quitter partie, ça ne validera pas votre étoile. Donc voilà, là je vais vous montrer que j'ai bien eu un palier gratuit. Et voilà, le palier gratuit, je l'ai reçu, donc gain de palier niveau 42, ok, et 100 V-Bucks. Merci beaucoup, Marseille, merci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc je rappelle qu'il faut absolument avoir débloqué cette image de chargement, donc cet écran de chargement, pour pouvoir récupérer le palier gratuit, donc de l'étoile secrète semaine 1. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.
make bruh. I make bruh.